Ah, aventurier, aventurier, c'est le truc au mieux. Ah ouais? Ouais. Aventurier. T'as pris le truc de la difficulté au milieu ou à gauche, à droite? Milieu, milieu. Ah, bah aventurier, papel. Ça galère. Hein. J'avais déjà joué au premier, je me souviens. J'ai déjà vu le titre, mais ça me dit rien. Ah ouais? Enfin, je sais que ça se pose dans la neige et tout, et qu'il fait froid, mais. Ah ouais. J'ai pas Vraiment, vraiment joué, j'appuie jamais, pour. jamais joué, quoi. Ah. C'est en 1940, sur les cendres de la Seconde Guerre mondiale, que William Hamilton fonda son projet. La mine de cuivre qu'il envisageait saccageait les territoires ancestraux des Premières Nations, attirant l'opprobre des gens de la région. Il fallait des nerfs solides pour maintenir le cap malgré l'hostilité. Devant la froide intransigeance de William Hamilton, les pétitions et protestations pacifistes se métamorphosèrent en entreprises de sabotage, en vandalisme et autres actes criminels. Les propriétés privées de l'industriel rencontrèrent elles aussi les colères de la contestation. Carl Faubert, vétéran de la guerre de Corée, fut mandé depuis Montréal à titre de détective privé afin de mettre la lumière sur toute cette affaire. Mais au bout de sa longue traversée vers le nord du Québec, le détective ne rencontra pas que des dommages matériels. C'est le cadavre de William Hamilton qui était là pour l'accueillir. Les étrangetés s'accumulèrent tout au long de l'enquête. Une puissante tempête hivernale, hors de saison, frappa la région. Des corps pétrifiés dans la glace apparurent. La faune locale devint étrange et agressive. Carl Faubert se mit à douter de sa raison. Un regard se mit également à peser sur le détective. Comme s'il était la proie d'une créature puissante, fauve, qui guette le bon moment pour attaquer. La peur de Carl s'amplifiait jusqu'à prendre le pas sur sa raison. Il s'enfonçait dans le délire, peinait de plus en plus à réfléchir. Il devait trouver un moyen de fuir. Il crut alors que les eaux ténébreuses du lac sauraient le protéger des images qui s'imposaient à lui. Au milieu de l'étendue d'eau, il souffla, soulagé. Il avait réussi à mettre son cauchemar derrière lui. De là, il recommença à croire en la civilisation, ou à ce qui en restait. Une femme ? Oula ! Ah, faut que t'attendre, c'est ça ? Non, on peut. Oh, mais bon, je sais pas où tu vas, donc on en tue. Bah ouais. Carl savait que sur l'une de ses rives s'érigeait le somptueux manoir de William Hamilton. Le détective pouvait espérer y trouver un moyen de quitter la région. Un téléphone, un camion, et qui sait. Sous le lambris luxueux et les moquettes damasquinées, il pourrait trouver des réponses à ses questions. Ouais. En tout cas, c'est très beau. Bah oui. Le détective se questionnait sur ces débris flottants. Avait-il dérivé des rives? Ou avait-il été abandonné là, au milieu de nulle part? Carl aperçut au loin un bateau, visiblement piloté par un des siens. Avait-il enfin rejoint la civilisation? Ses espoirs furent aussitôt noyés par le son d'une carabine. Il fallait fuir encore, et vite. Sans penser. Chaque bras s'était toutefois fait de désespoir. L'eau glacée et ses blessures atténuaient ses forces. Il devait rejoindre la berge.
L'hémorragie et l'hypothermie se partageaient le pauvre corps de Carl. Ouais. Quand il aperçut une lumière au loin, il se sentit gonflé d'un dernier espoir. Peut-être était-ce un refuge. Ou des gens qui l'ont attaqué. Il y a un bateau qui m'a attaqué, il m'a tiré une carabine là. Ah ouais, carrément. Un petit coup, j'ai plongé, j'étais à la surface. Bon, ben, j'avance pas au dépôt. Oh putain. PTP. Ouais. Bien posé en évidence. C'est bien ça. Comment on fait pour... voilà. Comment je me soigne. Inventaire. Ah, j'ai une loupe. J'ai glissé l'argent, c'est pas tout à fait ça. Bien. Ah. Évident de mettre table pour enlever chaque fois. Les matériels, la construction. Pièces de réparation. Chette, on va prendre assez vite. Les piles. Du whisky. L'habitude de jouer à un jeu où t'es énorme, mais tu n'y peux pas le prendre. La logique convainquit Carl qu'il ne se réveillerait pas de ce sommeil-là. Mieux valait faire du feu et jeter un œil à ses blessures. Ah oui, j'ai pas vu que... Ah, déjà. Ouais. Ça s'allume tout seul, c'est automatique. C'est super bien, ça. Bah voilà, le chien. Moi, il boule très vite. Et ouais. Tu ne regardes pas ses blessures ? Non. Oui, c'est se reposer. Qu'il y a des qui devaient regarder ses blessures. Ouais, tant pis. Ah, il regarde pas en chargement, je crois. Ouais, mais là, il dort. Hein. Ah, bah oui. On va regarder en même temps. Au réveil, t'inquiète. Nouveau jeu, hein. Manque le SSD quoi avec les nouveaux jeux. Ça me fait pas, je vais kiffer. Mais ça va être fortement possible que. Enfin, obligé, je prends un 4 Tera de SSD. Franchement, le jeu est super bien. Le réveil était difficile. Ses bandages de fortune lui assuraient peu de temps. Carl, s'il voulait trouver la vérité, devait gagner le manoir d'Hamilton sans tarder. Alors, il faut fouiller ça avant, non, je comprends. Ah. Et bien ça, il y a la molette. Journal. C'est tout, je sais pas. Je l'ai pris. Il y a pas de nouveau truc, c'est bon. Non. Allez hop. Non, il veut pas. Appareil photo peut-être. Voilà. Oula. Il est au paradis. Carl quitta son refuge et connaissait sa destination. Un lieu plus confortable, mais autrement inquiétant. Le manoir d'Hamilton. Le chiotte. Ah, il vient s'occuper. Ah, il est Shrek. Ouais. Il est constipé, Shrek. Ah, la visée, elle est comment? Ouais, bon, parfait. Tu voulais pas regarder des Dragon Ball Blu-ray? Quand? Bah aujourd'hui. Bah le problème c'est que j'étais de sortie du coup. T'as pas prévu? Non. Et j'ai pas le lecteur Blu-ray pour... pour faire ça à distance. Ah je sais.
De tous les animaux de la faune québécoise, le loup était peut-être le favori de Karl Faubert. Sa noblesse et sa beauté n'avaient d'égal que sa férocité et son intelligence. Non, c'est avec soulagement que Karl vit l'animal s'enfuir. Ah ouais, s'enfuir. Regarde. Bah ouais. J'ai niqué le jeu. Il va pas passer dessus avec une arme à feu. La glace semblait récente. Il valait mieux ne pas la tester. J'ai l'habitude du premier quand on va attaquer, écoute, hein, du coup. J'ai pris shot. C'est pas pareil. J'ai pris shot. Putain, dommage, là, je peux pas le bouffer, là. C'est pas vrai. J'ai vite tiré dans le verrou. Hein. J'ai pas un. Une achète. Ah, la achète ne va pas. Impossible à ouvrir. Voilà, tant pis. Il y avait un chemin là-bas aussi. Karl tenta de relativiser l'horreur. Décollé. Un accident, ça arrive. Et dans le lointain nord inhospitalier, cela arrive plus souvent qu'autrement. N'empêche. Un sentiment de déjà-vu le troubla, comme si le carnage se poursuivait. Les personnes sont arrivées à la bosse écluse déposée dans la zone de couverture, à l'entrée spéciale de la mine. Quels étaient ces mystérieux fragments? Et pourquoi mettait-on en garde contre la brume? Cette lettre soulevait chez le détective plus de questions qu'elle n'offrait de réponses. Ouais. Mais il y a des zones radioactives. Bah ouais, il y a... Je sais pas. Il a marché pour le plaisir ou... Je sais pas. On a pas vraiment avancé quand on veut pas. Oh là, je suis... Wow. Je vais rester comme ça mon diplôme. Le loup il s'en bat les couilles de la radioactivité. Hein. Ah ouais, bah, il est chaud. Hein. Plus vers là-bas c'est la crise. Hein. Si ça va. Là, c'est bloqué, bah du coup je prends le chemin là, on espère. Non, pas le chemin en haut. Passe. Bah c'est bon. C'était le manoir de William Hamilton. Pas de doute là-dessus. J'ai plus besoin de le prendre. Il n'y avait pas d'autres riches industriels dans le coin pour se faire construire une fastueuse demeure au milieu de nulle part. Ah, je peux passer par là. Ah, ah ouais, d'accord, c'est vrai qu'il faut juste. Faut pas appuyer sur un bouton. La porte, ouais, d'accord. Pas assez ouverte. Ouais, avec la porte. Il. D'accord. Une radio. Mais oui. Avec une musique égyptienne. Vous entendez ceci, ce message est crucial. Trouvez un endroit où vous mettre à l'abri. Ne sortez qu'en dernier recours. Si vous avez à sortir,
Armez-vous et méfiez-vous de quiconque porte les couleurs de la Hamilton Mining Corporation. Tenez-vous le plus loin possible de la faune. Les animaux sont devenus extrêmement agressifs. Je répète, tenez-vous le plus loin possible des animaux et méfiez-vous de quiconque porte les couleurs de la HMC. On ne sait jamais. Si vous entendez ceci, ce message est crucial. Trouvez un endroit où vous mettre à la bouche. Ne sortez qu'en dernier recours. Bon, là, ton endroit, le manoir. Mais ouais. Mais c'est une clé. On va pas t'en rentrer par la vitre. La cave, peut-être. Cette lettre trouvée dans la cabine mentionnait un gazebo. La clé du manoir devait s'y trouver. On peut s'asseoir. Un gazebo. Gazebo. Ah d'accord. Il a dit la clé dans la cabine où se trouve la clé, mais je sais pas si c'est ça. Peut t'asseoir peut-être. J'ai juste envie d'essayer de m'asseoir du coup. Ah bah non d'accord. Ah bah voilà. Ouais je me disais. Mais disais ça pouvait s'ouvrir ces trucs. Ah mais c'est l'entrée du coup parce que là c'est verrouillé de l'autre côté donc. Marche là t'as vu. Je sais pas si dans la cave tu pourras pas. Ouais. Ah, non, faut faire le tour quand même. Ah, faut revenir à l'entrée, c'est tout. Ouais, faut marcher. Ah, c'est à côté. D'accord. Truc de chelou. Que dalle. Ah, c'est bon. Qu'est-ce que ça peut être à partir. Pareil. Tu peux pas passer, il y a trop de neige. Parfait. Bah. Main. Ouais. Ça veut dire que Kinka était déjà là. Il y a peut-être Kinka qui est encore là. Bon, oh, il boule tapis. C'est bizarre pour toi. Une grosse tête, l'ours. Ouais. Ah, d'accord, on peut. T'as de la bouffe. Ouais, sauf que les pommes, je sais pas. Les tomates, non ? Les pommes. Non, les pommes. Ouais. Je l'ai déjà fait. Cogi. Nouvel objectif. Les traces de violence partout sont dans le comptoir de la cuisine. Oula. Bon. Attends pas maintenant. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, c'est pour se cacher. Bah, il se cache pas là, il se penche. Je pouvais pas du tout il aller en bas. Il se penche en arrière comme ça, il est chelou. Ouais, je sais pas. Croisé. C'est quoi ça ? Carl fut pris d'une étrange émotion. Ces mots croisés étant français, il y devinait la main d'un employé d'Hamilton et non celle d'Hamilton lui-même. Baptiser ma chaîne à vie. Pas de passer seul. Ah, une clé de soin, j'avais pas vu. Non, un truc de soin. Au désordre s'ajoutait la violence. Carl comprenait qu'une tragédie s'était jouée en ces lieux. Une légère tragédie. Ah, bah là, on peut s'allumer tout seul. Oh non, dommage. Je peux mettre des musiques. Je peux utiliser. D'accord. Oui, Maggie. Et là, je peux le nouveau l'extérieur, non ? Oula. Ouais. On ouvre pas la porte parce qu'on dirait que derrière la porte, c'est radioactif. Sauvage. Échec.
Le blanc s'approche de la défaite. Oh. Mais il est vraiment fort. Bah ouais. Ok, bah au moins pour ça je sais où je veux aller. On peut pas te croupir ? Si. Non. Oh. Non, c'est pas chelou. J'ai vu un bug de tissu ou un truc passé. Ah, c'est sûrement là-bas. Du coup, ça rejoint. Ouais. Il y a un œuf aussi. Carl sentait ses muscles ramollir, sa respiration siffler, son corps s'engourdir. Qu'est-ce qui lui arrivait? Bizarre là. De côté de notre porte. De l'autre côté. Juste là. Non. Le sol tendait. Non, c'est ici, ouais. Les murs semblaient fuir les mains de Carl qui tentait de s'y appuyer. Quelque chose ne tournait pas rond. Les idées de Carl, elles, vrillaient dans sa tête à l'en étourdir. Je vois des choses, je vois le passé. Il est vieux. Papa, on rentre. On va pas le boire. Dommage. On peut pas teaser le bar. Ça va plus moins chauffer. Ah ouais. Bon, il y a une comment. Ouais. Ça, c'est, faut suivre les traces de sang. Ouais, c'est juste que là, je regardais. Hein. Livre de médecine. Ouais. Moi, je me tends où tant que je suis là. Merde. Papa. Si. Ah d'accord. Oh, d'accord. Hein? Attends, tu avais une touche, non? Hein? L'étagère est trop lourde pour être soulevée. Je vois des choses écrites sur les meubles. Wow. On comprend bien le truc. Mais y'a l'ours. C'est bizarre, là, j'ai du mal là. Carl peinait à avancer. Ses pieds trouvaient difficilement le chemin devant eux. Il ignorait de quelle direction il venait, ni vers laquelle il marchait. Tout lui semblait sphérique. Une spirale le portait, il ne savait où, ni comment. Ça, il y a plein de portes qu'on n'a pas regardées. Hein. Bah, c'est compliqué, hein, du coup. Juste à l'époque, je l'ai demandé autre part. Je vois devant mes yeux que c'est écrit chargement. Bah, c'est rien. Ça m'éblouit la gueule. Ah, tu m'étonnes. La vie se revient. Carl avait soudain le sentiment de se réveiller. Mais dans un rêve. Où est le manoir? Le froid le frappait comme un seau d'eau glacée. Avait-il sombré complètement? Ou fallait-il accepter l'étrange architecture du manoir menant soudain au milieu de nulle part? Ces imposantes structures semblaient sorties du fond des âges, ou des images du voyage sur la Lune, ou même de son esprit embrouillé lors d'une sieste d'après-midi. Le détective peinait à s'expliquer comment cela fonctionnait. Mais les pierres semblaient glisser sur les rails sans entrave dès la rotation du totem. La tête rouge, tu mets la tête rouge en direction de la tête rouge. On est là, on peut trouver l'autre là. Bah, ils sont pas loin les autres. La tête rouge est à la droite. La musique là. C'est la tête bleue. Loin ou pas, mais... Je sais pas.
j'ai bien l'impression. Bah la dernière tête, t'as même pas besoin de... Tu peux faire au pif la dernière tête au final. Mais il en reste deux, je pense. Non, t'as les trois têtes. Quoi ? Il y en a quatre, la dernière, tu l'as fait au pif. Il y avait deux là. Celle-là, c'est... Elle est là, la bleue. Non, mais la rouge, tu l'as déjà mis, là. Elle est dans deux. Bah, t'as la tombe, t'as la tête du mec... qui sourit là au début quand t'arrives. Quand t'arrives, ah ouais, j'ai pas vu. C'est le bleu, ouais, le vert. Et là, trop pif, je sais pas. Oh là. Bah, dernière position du coup. Bah, on ignorait par quel effet, mais Carl perçut alors que quelque chose dans ce jeu avait été achevé. Et l'on voulait le mener à présent vers cette cabane. Bah voilà. La cabane s'ouvrit. J'ai ouvert la porte. On revient bientôt, on revient bientôt, on revient bientôt. Un petit volet. Auto-volet. Magie. Ouais. Le détective sentait ses pas devenir somnambule, tiré par une force supérieure vers cette lumière qui l'appelait, comme pour qu'il vienne la libérer. La pierre qui résonnait dans la pièce devait être un des fameux fragments recherchés par la HMC. S'il l'isolait, Carl espérait qu'il pourrait enfin reprendre ses esprits. La pulsation de l'étrange pierre envahissait l'esprit de Carl, qui sentit une présence étrange, sombre, bouger, prendre forme près de lui. Vous êtes mort. Allez, let's go. L'entité est... Ah. L'entité apparaît physiquement. Mais ouais. Le Medjay. L'entité a bien mangé. T'as volé sa pierre. Eh oui, j'ai volé son cœur. T'as volé sa meuf. Oh putain. C'est pas puissant que... Oh. Carl distinguait ici et là des trophées qu'il avait aperçus plus tôt, dans ce qui lui semblait avoir été un rêve. Oula, y'a un petit problème là. Invisible le bois. Ouais. Ah, c'est bon. Moi je vois encore moins qu'avant. Avec le bois peut-être. Vu que t'as la moitié des croix. Ouais. Ouais, moi je vais faire ça pour rien. Hop. Mec, j'ai bien réchauffé à fond. Hein. Ah. Ça sauvegarde aussi. Ouais. Une valve. Ah mais c'est vrai, je change la pile. Ah. Voilà, hop, changer la pile de la lampe. Ah oh, mais de toute façon t'avais la moitié de l'écran, tu pouvais voir que dalle, tu vois quoi. Du coup je vois mieux d'un coup. C'est à cause de la pile en fait, un plus. C'est bizarre la cave, hein, un peu. C'est bizarre. Hein. Pas pu voter. L'architecture. J'ai pas pu voter. Il y a une pomme dans l'eau. Une citrouille, ouais. Voilà, moi j'étais
Voilà. Le sifflement décroissant comme une bouilloire qui s'éteint satisfit Carl aussitôt. C'était mission accomplie. Il me dit d'aller dedans, quoi. Non. Non. On voit partout dans cette étoile. Ils sont enlevés le gaz, toi. Oh. Quoi ça? C'est un loup? Oh non! Oh putain, heureusement t'as les pauses. Un esprit loup? Ouais. Ce loup était d'une étrange apparence, plus large que la moyenne. Et cet œil bleu, ce regard glacé. Carl sentait monter en lui une terreur instinctive. Il y avait pas de loup là-bas, mais tant pis. Pas là en haut. J'ai envie de le voir, c'est un truc. Tu vas pas l'analyser ? Si, je vais en haut, c'est un truc. L'homme est un loup pour l'homme, disait le philosophe. À voir l'état de cette pauvre femme, on ne pouvait imaginer qu'une fureur sauvage qui expliquait les barricades et l'effroi que Carl savait lire dans le désordre des lieux. Ce n'était pas le fait d'un homme. On a... Faut le lire, non ? Il a mis le bras. Et... Il a mis le bras. Ah ouais ? Ouais, c'est son nom. Pas mal. Oula. Pas mal la porte là. Une clé. Je vais intervenir dans la bibliothèque. Vas-y, je me mets ici. Est-ce qu'on peut aller en haut du coup? Trop lourd. Ah ouais. Ah bah. Ça revient tout seul. Ouais, ouais. Non, trop long. Je voulais le garder, mais il y a vraiment rien, je crois. C'était où déjà ? Oh merde. Oh bah, ça a changé. Pour causer un tel fracas, ce qui venait de tomber devait être monumental. Carl Faubert était à cran. Dans ce boudoir aux allures naguère distinguées, on devait sentir la finesse de Lady Hamilton dans chaque détail de la tapisserie. Ce boudoir n'était plus que l'ombre de lui-même. Encore un esprit qui se voit. Ouais. Je fais marche arrière pour la clé. Oula. Ah, pas la tombe. Est-ce qu'on va me tourner? Il y a beaucoup de lumière. Là. Ici. Tu peux utiliser la clé, je pense. Oh, j'ai failli. Just a few days of renovation work. Finally have your very own projection. Tu peux parler français, québécois? Ouais, il y a bon lieu. Aren't you going to say anything? There's nothing to say. Whatever do you mean? That room, it's not for me. Nothing has ever been. Come now, don't speak nonsense. You know I love you. As much as you love Cynthia? Who? I know about her, William. And I'm too weary to care about anything. You're off your rocker. There is no Cynthia. Alors. Never mind. It doesn't matter. Oh, ils ont disparu. Ah ouais, ils ont fini. J'ai bougé, c'est bon, quoi. Bon timing. Et là, il y avait rien. Attends, c'était quoi pour mettre la... J'aime pas qu'on peut recharger. Là, je fais pour la pile, en fait. En place, la pile, c'est écrit. En bas à droite. C'est la même touche pour recharger la pile et l'arme, d'accord. Encore une cachette bizarre. Peut-être suspendre, ouais. Ouais. Il faut Yamagashi un peu. Bon, elle est pas conne. Hein.
Hein. La bière, on dirait. Oh, le chiotte. Je vais prendre mon arme en main. Sauvegarde pas. Quoi? Sauvegarde pas. Je sais pas si ça vaut le coup de sauvegarder, mais... Bah, c'est une valeur sûre, quoi. Bah ouais. À part si tu veux te recommencer. Mais non, je vais pas mourir. Depuis le... Depuis en bas, là où il y a de l'eau. Je vais pas mourir, t'inquiète. Ouais. Ouais. On pose. On va peut-être les poser à un bon ordre, je sais pas. Ouais. On va descendre, on va monter. Beaucoup de feu. Beaucoup de feu. Ils ont manqué leur feu. Ouais, l'arme en question. Des esprits qui vont spawn. Oula. Micro prise en allant trop vite. Dale Ouija. Il est mort. C'était toujours plus dur lorsqu'on pouvait leur donner un nom. Carl déduit que ce pauvre homme devait être Charles, le domestique de Hamilton. Carl est mort. Mmh. Tu t'appelles Carl aussi? Comment ça, j'ai dit Charles? Ah, c'était Charles, ouais. J'ai compris. Ce qui s'était forcé un chemin à travers ce mur dépassait la haine d'un homme ou d'un groupe. Par là était entré le mal. Une créature impossible avait eu raison du manoir. Oh, c'est lourd. Mmh. Un peu long. Ça va rien. Non. Faut que j'aille chauffer ma pizza là. Ouais, t'es revenu. Début. Ouais, là où il y a les bibliothèques. Écoute, j'ai une nouvelle clé, mais je sais plus c'est où les clés qui étaient. Les portes qui étaient fermées. La clé de bureau, je sais pas aussi. C'est un autre environnement là d'un peu. J'ai été venu en plus. Ouais, si j'ai pas envie, c'est là qu'on vient, donc après. Ouais. Là c'est là d'où on vient. Ouais. Mais écoute, si je peux te passer la main. C'est juste ça. Voilà, t'as tout. Voilà, sans si. Je mets le clavier. Hein. T'as mis le clavier? Non, je dis si tu veux, je le mets. Oh. On va passer la batterie. Perso, le jeu il est trop calme pour que ouais. J'aime bien. Moi j'aime bien le jeu calme. Ah mais bon.
ce rond-là, ouais. 50 portes, non? Ouais. Ça ramène là. Là. J'ai pas fait gaffe qu'il y ait une échelle, mais je pense qu'on peut pas la prendre aussi. Ah, tu t'es pas monté tout en haut, c'est pour ça. Ah, si, il est complètement. Oh, les jumelles. Ça va me mater. Il serait père d'une enfant. Ouais. Oh, mais je m'en fous. Mais rien de spécial là. Ouais, un gros freeze. Ouh. Et j'ai pissé un coup vite dessus là. Ouais. J'en profite. Oh, je revis. T'as rapine. J'ai vu ça. Un bureau en général sur le rez-de-chaussée, mais on peut avoir hein. Dans un manoir, je sais pas. Bah, c'est pour ça, ouais. Et ce manoir est chelou donc. Avec les mannequins posés à l'aise. Tirer dessus. Merci, je dis coucou. Pas trop long. Hein. Il y avait des portes verrouillées là où il y avait de l'eau. Là partout. Mais là où il y avait de l'eau, il y en avait beaucoup plus, c'est pour ça.
Je suis pas allé dans la porte en face. Bah, non, ça revient au même. Ça revient au même. Ouais, on tourne en rond. Pour prendre un bureau. Le salon. Bon. Merde. Crié. Carl ne savait remettre ses souvenirs en ordre, mais il y avait plus important. Ce manoir pourri de l'intérieur s'était effondré sur sa tête, le coinçant au sous-sol. Ah, ok. Putain, belle carabine. Inutile d'essayer. Carl ne passerait pas par là. Carl n'a pas envie. Carl était très con, il savait qu'il n'avait pas besoin de passer par là. Mais oui. Hamilton lègue tout à Henry. À plonger dans l'histoire familiale, Faubert s'était plutôt attendu à ce que Hamilton le renie. En dépit de tout, peut-être le père n'avait-il jamais pu cesser d'aimer son fils. Ah bah Carl Faubert, c'est mon numéro. Ah ouais. Sourire en coin, Faubert reconnut son numéro de téléphone en parcourant la liste. Il aurait suffi qu'un autre avant lui accepte l'emploi. 0141. Et il serait encore à Montréal, assis confortablement dans sa voiture, bien au chaud, à photographier quelque époux infidèle. Quelque époux ? Ah, époux. Ouais. Je suis pas con. Ah, ce n'est pas un câble électrique. Non, il manque des touches. Il manque pas mal, hein. Peut-être même plus de piles. Bah ouais. Et les touches. Oh, casse les couilles, il peut pas défoncer le mur. Hein. Mais non. Le contour. Ah oui, le beurre. Je suis trop grand, je peux pas m'accroupir. Mais oui.
Ah bah. Là, le petit balayeur. Ouais, on peut pas sauter. Du béton. C'est vraiment un broquignol. Dactylo. Ouais, le truc qui manque des touches. Ah. Je sais pas s'il faut le faire tomber du coup. Bah comment? Bah je sais pas. Faut avoir une genre de perche. Entendant le couinement émis par l'ascenseur, Carl imagina un animal de métal coincé dans un piège. Il devait y avoir un moyen de le libérer. On va voir le générateur devant. Oh. Et ça, ça gueule. Il va te bloquer avec. C'est au moins un truc à faire avec. Hein. Ouais, bah vu que je vois aucune porte, ça va être rapide, je crois. Ah non, sérieusement. Je m'en doutais. Ah là. C'est même pas pour réparer le truc de réparation. Ça devait être l'ascenseur de service, soudainement décoincé. Ah, c'est sûr que c'était coincé, hein. LOL! Lance un gros truc dedans! Ah, du coup, ça a dû le faire péter au à la cave, du coup. Ça servait forcément un truc, ce truc de merde. Vu qu'il y avait une sale gueule, ben, on prenait pas. C'est loin, elle est coincée. Comme ça qu'on fait. Maintenant, il faudra la réparer après. Ah bah ouais. Là je peux retourner dans le bureau. Il est pas loin. Oui. Non mais je m'en fous. Essaye. Password il faut maintenant. Ah. Ouais. Le cas payé. Oui, malheureux. Bon, ça doit pas être dedans. Il y avait ça, ouais. Hop. C'est pas bon.
Il en faut 7. T'inquiète pas, je glitch. Attends, t'en as regardé sur internet ça. Ouais. Faut éviter d'attendre 2 heures devant. Comment on fait pour écrire? Bah tu déplaces avec tes touches et voilà quoi. On peut supprimer. Bah tu peux pas, faut que tu écris une lettre entière. Là c'est bon, là tu peux commencer. Cynthia, putain la salope. Ouais. Il existait peu de règles dans le monde des détectives privés, mais l'une d'elles disait ceci. Les portes dérobées et les serrures compliquées protègent souvent les réponses à nos questions. Ce modèle de serrure était des plus sophistiqués. De toute évidence, Hamilton avait payé le gros prix. Que souhaitait-il donc cacher? Et de qui? Une clé secrète dans le sous-sol. Après. Y'a que dalle. Bien sûr. D'alarmante similitude avec un syndrome d'irradiation aiguë. Car l'ignorait jusque-là qu'Hamilton était malade. Alarmant était le bon mot. Rien dans ce document ne le rassurait. Rares étaient les corporations qui entretenaient des liens commerciaux avec un gouvernement de l'autre côté du rideau de fer. Et c'était pour une raison. Ok. Qu'était donc ce programme MIST? La clé secrète. Eh oui. Oh, moi j'ai la flemme de chercher un peu la clé secrète. Ah, c'était ça, tu viens de l'ouvrir. C'est ça? Pour moi, ouais. Bah, ça raccourcit, c'est tout. Je pense que c'est la seule porte qui était fermée ici avec la radiation. Au sous-sol. Ah. Oh, bah ouais, c'est toi. C'est compliqué, je suppose. Il est encore vivant, bien. Il est encore vivant. Ouais, celui-là, il est un peu noir-blanc, hein, le loup. Ouais, il était plus résistant, celui-là. J'allais faire ça, moi. Hop. Comme ça, on verra si c'est la porte. Si c'est pas la porte, tant pis. Ouais, ça me va. Ici? Ouais. Ah bah, parfait. Voilà. Bon. Le laboratoire de fortune rendait Carl mal à l'aise. Il ne pouvait s'empêcher d'imaginer les sombres expériences qui s'y étaient déroulées. Cette note laissait entendre que son auteur avait étudié cette mistanite. S'il était toujours en vie, il pourrait fournir des réponses. Tous de soi pour garder ses patients en vie. Toujours. Quel monstre! Encore.
Ça se prend la deuxième. On trouve tous les fragments. Eh oui. Une carte à collectionner. Ah, la plongée. Ah, Jerrican. Bah voilà. Si vous entendez ceci, ce message est crucial. Encore. Trouvez un endroit où vous mettre à l'abri. Ne sortez qu'en dernier recours. Si vous avez à sortir, armez-vous et méfiez-vous de quiconque porte les couleurs de la Hamilton Mining Group. Allô? Ah, quelqu'un, enfin! Vous m'entendez? Je le quitte. Non! Carl Faubert, oui, votre nom me dit quelque chose. Très curieux d'entendre ce que vous avez à dire. Bien comparé au mec, hein. Si vous pouvez venir me rejoindre, on a établi un refuge au nord avec d'autres survivants. Longez la bordure est du lac Lee jusqu'à ce que vous voyez un pied près d'une tour en bois. Le refuge est proche. Si vous entendez ceci, ce message est crucial. Trouvez un endroit où vous mettre à l'abri. Si vous avez à sortir, armez-vous et méfiez-vous de quiconque porte les couleurs de la Hamilton Mining Corporation. Tenez-vous le plus loin possible de la forme. Les animaux sont devenus.